Paul, congratulations. After UD, now it's Vincennes. Thank you very much. Can you talk about your filly? She's a very nice filly. She missed a little bit of earnings because she didn't have that much races. She was a little bit late. But now she fit in the race, she stayed in. And well, on forehand I already thought that I had a good chance to be with the first three. But she finished really strong. She made a really good race. I'm very happy. Yeah, she must be strong because she must resist to Biguglia to finish. Yeah, but she's a very strong horse. She's a very strong filly. Do you think we could see her again in France? I hope so. I think so too. Yeah. Fred, Biguglia, elle a eu un très bon parcours. Ouais, elle a eu un bon parcours. Franck s'est fait ramener par le cheval qui gagne, donc il a le bon dos. Et puis la jument, elle est en pleine évolution là depuis depuis 15 jours, 3 semaines. Elle progresse sans cesse au travail et elle est en train de devenir très très bonne. T'expliques ça comment justement qu'elle progresse? Bah, c'est une grosse mémère, hein. C'est pas parce qu'elle a gagné à 2 ans que c'est une 2 ans. Et puis c'est une jument qui évolue, qui grandit et qui est en train de prendre de la force, qui était un peu peureuse, elle est en train de prendre confiance en elle. Et puis on a changé 2-3, là elle a une Murphy, avant elle avait un petit peu de mal à tourner à gauche, là avec la Murphy ça l'aide à tourner, et donc tout ça accumulé fait que la jument évolue bien, quoi. La suite de son programme, on va essayer le niveau supérieur? Non, la suite de son programme, ça, normalement ça va être Chartres, le championnat des 3 ans, en espérant Mokanchi, championnat des 3 ans. Et en espérant courir la finale des 3 ans ici, si elle est qualifiée, si tout se passe dans la continuité. Et après, peut-être les courses de groupe pour femelles. Je te lâche pas sans des nouvelles de Black d'Avril. Comment va-t-il? Black, il est bien. Il a refait deux américaines, une ce matin, et il est extra. Il est bien. Il est en bel état. On l'avait soigné un petit peu après le critérium, et il est bien souple. Le critérium, le prix de l'étoile, et il est bien souple. Tout est bien. On va pouvoir durcir un peu le travail, mais je pense qu'il va pas avoir besoin de grand chose parce qu'il est déjà bien réveillé, bien. Donc je pense qu'il est pas. Il me paraît bien. Si je dis que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans l'écurie Frédéric Pratt, je me trompe? Pour pas toucher du bois. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je pense que j'ai déjà eu un bon cheval dans une écurie. Mais là, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a plusieurs capables de courir des courses d'un bon niveau, quoi. Elle en femelle, Black en mâle, la Canary, il fait une bonne course, c'est la bonne note. Je pense qu'il va pouvoir courir les courses d'un bon niveau cet hiver. Donc on touche du bois et en espérant qu'on puisse venir les week-ends cet hiver à Vincennes, quoi, hein, pas en spectateur. Etienne, troisième, on a musardé à l'arrière-garde pendant longtemps et il a très bien fini. Bah, j'ai pris un mauvais départ, j'ai fait la faute. J'ai voulu un peu l'activer en partant parce qu'il dormait un peu, c'est de ma faute. Mais après, il court super, ça s'est pas trop mal passé. Pour finir, dans la ligne droite, on n'est pas trop heureux. On s'est faufilé, mais quand on a vu le jour, il a quand même fait un bon bout. Il vaut peut-être pas cela, mais il a quand même fait une bonne chose ce soir. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut un prix de série, tout simplement? Oh non, un petit peu mieux quand même, mais on va peut-être plutôt l'essayer monter. Ça va être un peu moins dur. S'il va, ça va être pas plus mal. Mais bon, sinon, cette catégorie-là, là, il a quand même fait une bonne chose ce soir. On n'a pas été très très vite, mais il y a toujours du soin à prendre. Addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let down.